Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue les aventures du labo Ascode. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nils et on va faire de l'admin 6, du DevOps, tout ce genre de petits trucs assez sympas, je trouve. Mais je vais commencer par faire un petit récap de là où j'en suis et de l'objectif principal. Et ensuite, on va pouvoir s'y mettre. Alors, l'objectif à la base, c'est quoi? Eh bien, c'est en gros, quand j'ai démarré les streams, j'ai envie de dire le premier projet un peu d'envergure que j'ai fait, ça a été de me mettre en place une sorte de labo réseau. Ce que j'ai tendance à appeler peut-être par abus de langage le home lab. Et ce home lab, eh ben, j'avais envie de l'automatiser. Alors qu'est-ce que j'entends par automatiser mon home lab? Eh ben, c'est que ce home lab, c'est quoi? C'est une machine physique avec dedans beaucoup de machines virtuelles et des réseaux virtuels. Et tout ça, ça a fait une maquette que je voulais être une maquette entre guillemets représentative, vite fait, de l'internet. Et ce que je me suis dit, suite à quelques petits soucis de configuration sur certaines machines, de trucs qu'on modifie, qui ne marchent plus, puis quand on revient en arrière, bah, ça ne marche toujours plus. Et ben, je me suis dit que ce serait pratique si je pouvais, quelque part, instancier, générer mon labo réseau, entre guillemets, à la demande. Et si jamais il y a un truc qui ne marchait pas, bah, pouvoir le détruire et recommencer rapidement. Pouvoir tout relancer très facilement. Enfin, je dirais réinstaller quelque part très facilement. Alors, quelles sont les technologies que j'ai choisies pour ça? Eh bien, tout simplement, j'ai installé un système de type Linux sur la machine, qui tient mon home lab. J'ai installé KVM libvirt. Et donc en fait, je me suis rendu compte d'un truc assez sympa, c'est qu'il est possible de piloter quelque part KVM libvirt via un outil d'infrastructure Ascode qui s'appelle Terraform, alors qui est super utilisé notamment sur les clouds publics, je pense à Google Cloud Platform, AWS, Azure, Oracle, en France aussi, je crois qu'il y a un provider Terraform pour Scaleway, j'en doute. Mais bref, toujours est-il que voilà, on peut s'en servir pour le cloud public et il est possible bah, de s'en servir pour du cloud privé, par exemple pour si jamais vous installez par exemple l'hyperviseur VMware, et ben il y a moyen de faire du Terraform avec du VMware. Si vous installez Proxmox, il y a moyen de faire du Terraform avec du Proxmox. Et donc il y a moyen de faire du Terraform aussi avec du libvirt directement. Et c'est ce que je me suis dit comme idée, c'est que ça pourrait être sympa que mon labo soit quelque part programmé via libvirt. Ça m'a permis au passage de me dire tiens qu'est-ce que je pourrais modifier dans la manière dont mon labo réseau est fait. Donc c'est le moment où je vais vous montrer peut-être un peu le schéma pour se rafraîchir la mémoire sur l'objectif. Alors, hop, on va faire comme ça, voilà. Et donc, là, le schéma, alors, je vais peut-être zoomer un peu, si je peux, hop, voilà. On ne remarque pas tout de suite. Alors là, grosso modo, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quelque part, j'ai envie de dire, la première version de la maquette. On a ici le sous-réseau par défaut de libvirt, et ce routeur-là, eh bien, c'est la machine hôte, la machine physique. Et tous ces liens-là, ce sont des liens réseau. Et on a donc 6 routeurs principaux qui vont être entre guillemets les routeurs de tête de pont de différents fournisseurs d'accès à Internet. Et ensuite, on va avoir derrière bah, des différents services. On peut imaginer donc bah, du DNS, un peu à la Cloudflare. On peut imaginer un fournisseur de services type
bah, type serveur dédié ou serveur, serveur VPS. Et puis j'aimerais bien rajouter genre un truc façon, fournisseur d'accès grand public, avec genre que des petites machines qui feraient des box, en gros avec des systèmes bureautiques derrière, enfin des systèmes d'exploitation genre avec une interface graphique, ou pourquoi pas simuler un réseau d'entreprises, pourquoi pas qui aurait par exemple son site web directement auto-hébergé, et on pourrait voir un peu comment, comment ça se... comment ce genre de choses se met en place. Et donc tous ces routeurs seraient par exemple reliés entre eux via le protocole de routage BGP, qui est donc le protocole de routage dynamique sur Internet. Voilà, ça c'est un peu l'objectif. Donc l'objectif, ça va être quelque part, dans un premier temps, d'instancier un certain nombre de ces éléments via Terraform, Cloud Init, voire même de les configurer via Ansible. Les premiers épisodes sont concentrés sur la partie à gauche, sur laquelle je vais zoomer un peu. Alors je vais zoomer là au milieu, mais je vais revenir ici, voilà. C'est-à-dire surtout cette partie-là, avec ce premier routeur et ce premier serveur. Alors c'est pas forcément celui-ci qu'on monte, on en monte un autre pour l'instant, pour vérifier que ça fonctionne, et puis après on pourra peut-être le mettre. Mais toujours est-il que pour l'instant on se concentre sur ces deux machines. Au niveau du système d'exploitation, celle-ci, là, celle que je sélectionnais, ce routeur-là, fonctionne sous une distribution Linux qui s'appelle VaiOS, et qui a la particularité d'être une distrib Linux orientée ben, routeur firewall, et qui a une CLI qui n'est pas juste du shell bash classique, enfin il y est dispo, mais il y a surtout une CLI façon équipement réseau qui n'est pas sans rappeler celle de Juniper. Et puis là, bah, on mettra un Linux classique, j'ai choisi de mettre de la Fedora. Voilou, grosso modo, où nous en sommes. Et surtout, là où nous en sommes, c'est que lors de la vidéo précédente, on avait donc nos deux machines, avec nos Cloud Init qui étaient fonctionnelles, enfin, presque, et on arrivait à communiquer en réseau entre les deux machines, et on arrivait à sortir, et on arrivait à même à faire sortir la machine à côté ici, vers l'internet, mais c'était pas encore tout à fait fonctionnel. Et en me préparant pour le stream, j'ai eu la petite lumière qui s'est allumée au-dessus de la tête, et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, non, ça c'est triché. si vous avez mis pause et que vous avez lu, bah vous venez de vous spoiler. Hein. Eh bien, il se trouve que, donc ça c'est, bon, ça c'est le code Terraform, jusque-là tout va bien. Là par contre, c'est le code Cloud Init. Et en fait, le problème qu'on avait, il était là. Non, pas là, il était là. C'était dans la configuration du NAT. Quand on instanciait la machine, eh bien à un moment, il disait, lorsque Cloud Init était appliqué à la machine VaiOS, eh bien, le truc disait, au fait, il y a eu une erreur. Salut à toi, Ribo. Salut à lui, Manon. Bienvenue à vous deux. Le truc, c'est que il y avait une erreur. Le truc disait, au fait, j'ai pas appliqué ces trois règles. Et en fait, alors je sais pas si je m'étais pas déjà pris la tête avec les côtes, mais en fait, c'était encore une histoire de guillemets simples. C'est qu'en fait, de ce que j'ai l'impression, ça doit être le parseur du côté du module Cloud Init pour VaiOS qui doit être en mode, très rigide, et qui a l'air de vouloir que ce soit toujours, entre simple quotes, le dernier élément de la commande. Vous pourrez remarquer qu'en fait, là, si je regarde toutes les commandes, c'est que des trucs où le dernier élément est entre simples quotes. Alors, je vais ouvrir ma gourde, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Sinon, il faudra que je pense au montage, à demander à ce que ce soit... un peu enlever le bruit de là. Ça fait quelques jours, là, en ce moment, avec les, j'ai envie de dire, alors je vais pas forcément dire la vague de chaleur, mais presque, hein, parce qu'il se met à faire très bon, que du coup je profite d'une gourde thermos pour avoir de l'eau au frais. Voilà.
Bien, bien, bien. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais en profiter. Alors, je vais hop, revenir ici. Et on va. Non, ça c'était la partie vite. Remarque, c'était. Ouais. Alors. Et donc, bah, si je monte d'ailleurs, si je fais un petit git show. Voilà. Voilà le diff. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs de vous signaler que tout ce que je produis là sur ce projet est open source. Donc, si jamais vous avez envie, vous pouvez vous-même, à un petit détail, vous pouvez reproduire ce labo. Donc, il est sur ce repo que je vais bien entendu vous indiquer dans le chat dans un instant. Mais le petit détail, c'est que effectivement, il faut quand même récupérer les images disques. Pour instancier les VM. Celle de Fedora, elle est facile à récupérer. C'est l'image pour OpenStack. Alors même si je ne fais pas tourner un OpenStack, j'ai pris l'image OpenStack parce qu'elle est au format Qcode. Donc elle est pratique, elle est un peu, elle est pas, c'est pas juste du brut. C'est un petit peu optimisé, donc c'est pratique. Et l'autre image, bah, c'est l'image de, comment dire, de VaiOS. Et en fait, il faut la construire soi-même. Il y a un tuto. Je sais plus si j'avais linké le tuto à un moment, mais ça se fait. Quand on cherche VaiOS Cloud Init, on tombe dessus, c'est dans la doc officielle. Voili, voilou. Donc, le lien vers le repo, je vous le poste ici. Et je vais aussi le mettre sur le Discord. Hop là, le Discord, il est là, dans les liens du live. Et donc, c'est l'occasion de vous signaler l'existence du serveur Discord, dont l'adresse est là-dessous, et que vous pouvez rejoindre si vous avez envie qu'on papote entre deux streams, tout simplement. J'en profite aussi pour vous signaler l'existence d'une chaîne YouTube qui généralement contient les replays de ces vidéos. Et nous sommes, je crois, quelques 250 abonnés, si je dis pas de bêtises. Ce qui est plutôt sympa, je trouve ça super agréable de voir que petit à petit ça monte. D'ailleurs, on a passé la barre des 400 followers Twitch, donc merci à toutes et à tous. Et je suis très heureux de voir que bah, ce que je fais vous intéresse, tout simplement. C'est ça, 259 abonnés. Et oui, je trouve ça super classe pour 259 abonnés. Ce qui, eu égard à un certain nombre de chaînes YouTube, est pas énorme. Mais moi déjà, ça me fait super plaisir. Donc encore merci. Bien, ceci étant dit, on va lancer un petit Terraform Destroy parce que j'avais... J'avais allumé les trucs. Hop, no change. Ah, j'avais déjà détruit. J'avais déjà détruit. Ah non, c'est là. Hop. Destroy, moment, auto-approve, no change, no object. No... Ah oui, mais c'est parce que je suis pas dans le répertoire Terraform. Hop là, voilà. Voilà. Donc là, ça s'est arrêté. Là, ça s'est arrêté aussi. Destroy complete. Donc là, j'ai plus de VM. Je peux vous montrer mon Virt Manager. Alors pour l'instant, je fais ça en local. Et quand on va arriver à une certaine taille sur le lab, à ce moment-là, je vais basculer sur la machine de Home Lab. J'espère aussi qu'il fera un peu moins chaud parce que la machine de Home Lab, il y a deux processeurs qui sont relativement anciens. La puce de la carte mère a tendance à chauffer, donc c'est pas ouf. Mais pour l'instant, on n'a pas atteint une taille critique au point qu'il y ait besoin de passer sur la machine lab dédiée. Donc, rien dans les mains, rien dans les manches. Et ensuite, c'est parti. Il est où le apply? Il est là. Donc, j'applique. Je vais tout de suite aller regarder ici. Je vais faire un virassage console. Voilà. Ensuite, ici, on va faire la... Non, c'est pas ça que je veux. 5, voilà. Hop, là c'est bon. Et si je reviens ici, vous voyez, j'ai 2 VM de plus. Et si jamais je regarde dans les détails de mon hyperviseur local, si je vais sur Virtual Networks, on peut voir tout un tas de réseaux virtuels. Alors pour l'instant, on s'en sert pas tous, mais justement, l'idée c'est de s'en servir. Bien, bien, bien. Donc là, a priori, il a fait des choses, mais je crois qu'il a pas terminé. Cloud Init, des fois, c'est un petit blagueur.
Et ici, eh ben, c'est en train de démarrer. Donc le routeur est encore en train de démarrer. Donc je suspecte que la VM n'est pas démarrée tout de suite. En fait, je pense que il doit y avoir le même souci quelque part. Je vais vous montrer dans le code Terraform. Je pense qu'il y a la même blague qu'avec les interfaces réseau. Donc si vous avez si la vidéo précédente est un peu loin, j'avais dans mes interfaces ici, donc j'ai deux interfaces réseau sur mon routeur, deux pour le moment, parce que si on regarde le schéma, il y en aura au total 4. Et donc sur ces deux interfaces réseau, il y en a une qui est reliée au réseau default, qui est l'interface de sortie, et il y a celle-ci qui est reliée pour l'instant à l'ISP1.NET1. Et en fait, avant, j'avais inversé ici. Ce qui fait que ici c'était ETH. Je crois que c'était ETH0. Et celle-ci c'était ETH1. Et donc je voulais que l'ETH1 soit. Enfin, je voulais que l'ETH0 soit ISP1.NET1. Et que celle en default soit ETH1. Ce que je me dis aussi, si ça se trouve, c'est que peut-être que je vais devoir mettre. Ce domaine, puisque en termes de libvirt, on parle de domaine, parce que ça peut être une VM comme ça peut être un conteneur, et ça peut être une VM KVM comme ça peut être une VM Xen. Je me demande même d'ailleurs si libvirt permet pas de piloter VirtualBox. C'est pour vous dire, au final, libvirt c'est vraiment une couche d'abstraction pour des technos de virtualisation et de conteneurisation. Et donc à partir de ce moment-là, ce que je me dis, c'est que si ça se trouve, il a démarré hop, en bas, il a commencé peut-être par le VPS, avant ensuite de faire le routeur. Et peut-être qu'il faudrait que j'inverse dans le code l'ordre de mes domaines. Ou alors que je l'oblige peut-être à avoir un ordre pour tout ça. Donc là, on a, voilà, c'est ce que je disais, CloudInit qui était un peu loin à la détente. Et ici, il a fini, il y avait bien écrit configuration success. Pardon, configuration success. Donc, alors j'utilise toujours le mot de passe par défaut, VIOS, voilà. Si je fais un show configuration, voilà, eh bien, on peut voir donc ETH0 inside, ETH1 outside, donc ça c'est cool. NAT source, voilà, il est appliqué. Numéro de règle 100, ça sort par ETH1, et la source, alors j'ai mis tout le slash 8, pour une raison très simple, hein, c'est que la limite de ma maquette, c'est que ben je peux pas faire du BGP comme si j'étais vraiment sur internet. Donc il va y avoir les deux routeurs ici qui sont reliés à ce réseau là et qui en fait vont faire du NAT. Alors vous me direz, il y a du NAT normalement ici de ce réseau là vers internet, et il y a même du NAT aussi avec ma box. Donc ça fait que techniquement, il y a un NAT ici, on va compter un seul NAT, hein, mais un NAT ici, un deuxième à ce niveau-là et un troisième à ce niveau-là. Faudra que les VM passent 3 NAT pour sortir. Est-ce que c'est pas un peu relou? Oui, c'est relou, mais ça se fait, ça passe. Mon ancien lab marchait comme ça. Si je voulais dégager au moins un niveau de NAT, il faudrait dans ce cas-là que que ici je natte pas, mais que ici j'ajoute des routes manuelles. Et que je dise, au fait, tout ce qui est 10.0.0.0/8, ça va vers lui ou lui, par exemple. Ça pourrait être une idée, mais je pense que ce serait un petit peu compliqué à gérer. Sachant que voilà, le lab, le but, c'est pas qu'il soit H24 en train de tourner. Le but, c'est de pouvoir en quelque sorte se faciliter la vie, hein, et pouvoir l'arrêter et le démarrer comme je veux. Voilà, de ce côté-là. Du coup, maintenant que ça fonctionne, on va peut-être aller regarder un petit peu plus les confs, comment on s'y prend. Donc là, ça, c'est la partie, configuration du routeur. Alors pour le moment, il n'y a qu'un seul routeur. Donc on va pas trop s'embêter la vie. Par contre, de ce côté-là, ça c'est la machine. Alors oui, là on a le configurateur. Non. Ça c'était Terraform. Voilà, ça c'est le cloud init du routeur. Et ça c'est le cloud init de la machine qui fait pour l'instant que j'ai appelé VPS1. Mais pour le moment, on n'a pas de VPS dans le schéma.
Donc, ce que je voudrais faire, c'est peut-être rajouter de la conf sudo. Et pour cette conf sudo, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais aller dans GitHub et je vais aller recopier mes trucs dans un autre repo, qui était le repo que j'avais fait lors de ma découverte de Terraform et de Cloud Init, que je peux d'ailleurs vous linker aussi si vous avez envie de voir ça. Donc le repo, ça, alors la raison pour laquelle le repo s'appelle comme ça, Jubilant OctoTribal, c'est parce que tout simplement ça a été le nom suggéré par GitHub. Et si je regarde là-dedans, j'ai un Terraform. Ah tiens, j'ai pas mis de Cloud Init, j'avais mis que du Terraform. Donc c'est pas là que je voulais chercher. Ou à moins que j'avais mis des choses. Zut alors. Ah mince. Si je sais où sont mes fichiers Cloud Init. Ah je voulais tricher et en fait je peux même pas tricher. Parce qu'en fait c'est resté sur le Home Lab. Alors je pourrais l'allumer, remarquez. Hein. Allez, je vais allumer le Home Lab. Si je peux l'allumer. Hop. Oh, le son bip m'a pas plu des masses. Je pense qu'il va très vite avoir chaud. Bon, pendant ce temps, on va essayer de se débrouiller sans, parce que de toute façon, Cloud Init, normalement, il y a de la conf, enfin, il y a de la doc. Hein. Hop, alors, de la doc pour Cloud Init. Hop là. Allez, on va chercher Cloud Init sur le grand internet. Convivial. Cloudinit.io, read the docs. Voilà. Hop là. Tada! On a la doc. Bon, à part ça, dites-moi dans le chat comment ça va. J'espère que vous passez un bon moment. Alors. Pom. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la conf sudo. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans? Hop là. Searching. Verify the ISO, install, nanana, non, c'est pas ça. No cloud, ok. Bon, je pense que le truc, ça devait être vraiment. Bon, je tape Sudoers peut-être. Hop là. Module référence. Tout, 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 tout. Voilà, c'est ça, module référence. Ça commence à m'intéresser. Sudoer, ok. Alors, sudo rule. Ah, par contre, là, la syntaxe n'est pas vérifiée par Cloud Init. Oui, je suis assez d'accord, Manon, il fait chaud. Hein. Alors, tu entends en train de te dire, est-ce que tu fais un serveur Proxmox et tu crées une grosse VM dessus pour faire de l'in infrastructure as code, ou est-ce que tu fais une Debian et tu fais un peu comme moi? Alors ça, alors pourquoi forcément faire une grosse VM si tu mets un serveur Proxmox? Tu peux faire plein de petites. Alors, est-ce qu'on a un truc pour sudo là-dedans? Ah, je me demande si on n'aurait pas la partie sudo qui est dans le. Ouais, c'est ça. Pose des questions. Non, mais il faut se poser des questions. C'est en se posant des questions qu'on avance, hein, bien souvent. Hop, allez. Est-ce qu'il a. Ouais, il est là. Allez. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, man. Je serais même tendance à dire les seules questions bêtes, c'est celles qu'on pose pas. Vaut mieux poser une question, même si on te répond. Mais non, enfin, c'est évident. Disons qu'au moins, quand c'est dit, c'est dit. Alors, qu'est-ce que j'avais fait de mes. Est-ce que j'avais laissé des trucs traîner ici? Nanana. Ah, je crois que je l'avais laissé traîner dans varlib-vir. Il y a quoi dans boot? Ah, bah si, voilà. Boot Cloud Init. Hop! C'est une 2, c'est bien ça. Hop.
Allez, user data. Ouais, allez, à pouvoir profiter. Donc, très bien. Très bien, on va pouvoir recopier ça. Hop. D'ailleurs, tu te disais, avec les clés SSH, est-ce que tu en fais une seule pour GitLab et GitHub ou avec un seul passphrase? Alors, tu vas te retrouver effectivement avec une armada de clés SSH. Faut gérer les clés SSH que les mots de passe avec un gestionnaire. Ouais, pas mal, Haribo. J'aurais tendance à te dire la même chose que à Haribo. C'est d'avoir une clé par service avec une passphrase différente. Alors non, je ne sais pas qu'on peut mettre des fichiers en pièces jointes dans KeePass. Je ne savais pas. Vous me l'apprenez. Où en étais-je moi? Oui, je cherchais. Hop, ici. Donc on a le password, group user, ça je l'ai mis. Et on va rajouter le sudo. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est on va... Est-ce qu'on préparerait pas la machine VPS en mode je vais en faire un serveur DNS pour ensuite basculer le nom de la machine après. Ça pourrait être une idée, ça, non? Assure-toi qu'elle boot la première. Ouais, mais le truc, c'est de toute façon, le routeur est devant. Et pour le coup, le routeur sera... Le routeur doit démarrer avant. Mais à la limite, le routeur n'aura pas cette machine-là comme serveur DNS. Hein. Ça, c'est clair. Ah oui, j'avais même mis les jailfail to ban. J'avais prévu les trucs. Hein. Je pense que je vais reproduire ça. Je reproduis ça, on va voir comment ça passe. Je vais même rajouter le content cible. Ouais, non, je vais pas mettre le content cible tout de suite. De toute façon, la clé SSH, la machine, je vais pas y accéder tout de suite autrement que... On verra après. Mais ouais, je pense que je vais faire ces petits trucs-là. Oui, il y a des clés SSH, mais c'est des clés SSH qui viennent du lab. Et c'est des clés... Alors, c'est des clés... En plus, c'est des clés publiques. Donc, c'est pas un problème. Mais... Hop, alors. Voilà. Ensuite, je vais rajouter la récidive, les packages. Hop. Ici, voilà. Et les run CMD. Ouais, les run CMD, on va les utiliser aussi. Hop. Et on va expliquer un petit peu tout ça, comment ça fonctionne. Hop, voilà. Alors du coup, on est en... Hop, on sera en 10.1... attends. Hop, 10.1.1.53. 53. Et l'adresse IP de la gateway, ce sera 10.1.1.1. Et le DNS, bah le DNS, pour le moment, on va mettre 10.1. Voilà, on dégage l'aide de Vim. Pour l'instant, on va mettre 10.1.1.1, puisque pour le moment, le routeur fait cache DNS. NMCLI, ouais, ok, nos soucis. DNF install, RPM fusion. Ouais, mais RPM fusion, on n'en a pas forcément besoin. Hop. Et fail to ban. Hop. Pour l'instant, les packages, on va rester comme ça. Par contre, il va me falloir effectivement que le routeur est booté en premier pour appliquer ça.
il va falloir que le routeur ait booté en premier. Donc je vais peut-être aller regarder du côté de Terraform, est-ce que j'ai moyen de forcer un ordre d'instanciation des ressources. Terraform. Libvirt, parce que c'est le provider Libvirt. Domain. Boot order. Hop, on va voir ce que ça donne. Libvirt. Oui, moi je veux le nom du projet sur, sur GitHub. Voilà. Alors, libvirt domain, ouais. Cloud init, ça on l'a mis en place. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait faire du core OS aussi, ça pourrait être amusant. Boot device, non, ça on l'a vu, ça on n'a pas besoin. Kernel, boot argument, ok. Init RD, CMD line, ouais. En fait, je me demande si ça, ce serait pas une, un paramètre générique de. De Terraform. Les interfaces réseau. Bon, ça, on l'a vu. MacVTap. Tac, tac, tac. Graphics device, vidéo card. Console. Bon, ça, c'est bon. CPU mode. Ah, on peut mettre un mode host pass-through. Ça, ça me plaît bien. Est-ce que je l'aurais pas déjà mis? Non, je vais le rajouter, c'est dans les domaines. Hop. Alors pourquoi je veux rajouter ça? Moi j'aime bien rajouter ça. Ça évite que le truc fasse... alors... Network, VCPU... Hop, on va le mettre là. Voilà. Et on va faire pareil. Parce que pour l'instant, en fait, si je vais ici, là... Si je fais un cat slash proc slash cpu info, il me dit juste, eh, au fait, c'est un truc virtuel à la con. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'il m'affiche le vrai CPU. Hop. Ensuite. Hop là. Donc ça. Et là, c'est la machine de type VPS, donc on va rajouter là, on va faire comme ça, host, host. Et si ça se trouve même, je dois pouvoir... Ah oui, alors les auto-start, mais ça, je ne les fais pas. Mais ce que je me dis, si ça se trouve, c'est que si là, on peut mettre un mode host pass-through, si ça se trouve, on peut affiner la topologie et dire, je veux deux vrais CPU, ou alors un CPU 2 cœurs, ou un CPU 1 cœur 2 thread, vous voyez le genre. Pour le moment, j'ai... pas de... Oh tiens, c'est marrant, on peut créer un périphérique TPM. Donc on pourrait... on peut dans KVM, du coup, créer un périphérique TPM, enfin tout du moins dans libvirt, et donc avoir un TPM virtuel, ce qui fait qu'on peut installer un Windows 11. Modulo le type de processeur, bien entendu. Enfin, le modèle. Et on peut aller carrément balancer un truc du XML directement. Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est pas ça. Donc, Terraform. Et si je mets VM boot order. Hop. Terraform, non, boot retry. VM. Create plutôt. Terraform, voilà, resource creation order. Alors, est-ce qu'il y a un truc? Ah, depend on, c'est pas mal ça. Donc en fait, faut créer des relations de dépendance. C'est pas mal ça. Je vais peut-être essayer. Alors, donc là, on est sur le domaine et on va lui dire tout de suite au fait. Tu dépends d'un truc et tu dépends d'un libvirt domain. Hop, de libvirt domain. Point, et on l'avait appelé routeur quelque chose, non? On l'avait ISP routeur 1. Hop là. À mon avis, c'est pas la bonne syntaxe. Et Terraform va nous le dire. Mais non. Hop là.
Bon, on va essayer, hein. Si je suis un Terraform, validate. Il me dit quoi? Ah, il me dit que la conf est valide. Ok. Eh ben, on va faire... on va faire hein, Terraform. Ben, on va destroy. Hein. Voilà. Pouf, 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 il n'y a plus rien. Ici, il n'y a plus rien. Ben, maintenant, on va pouvoir recréer. Non, je dis apply. Hop, voilà, apply. Tac. Donc, apply complete. Donc, maintenant, je reviens ici. Donc, mon routeur, il a démarré. Et mon autre aussi. Ah ! Ah ! Parce que le temps que mon routeur soit prêt... Ouais, lui, il a déjà démarré. Il a déjà démarré, il a fini son... Ah, remarque, il a peut-être pas totalement... Remarque, il s'appelle... Ouais, bon, ça, c'est le nom. C'est très vite mis en place. Mais si je fais Nils, password. Ok, sudo moins L. Ok, j'ai un no password. Si je fais un petit RPM moins QA, pipe grep, pas firewall, mais fail to ban. Non, ni rien. Rien. Ah voilà, Cloud Init qui travaille. Alors, fail to enable unit does not exist. Ouais, bon, il a en fait, voilà. Voilà, le routeur a pas fini de démarrer en fait. Le routeur met un moment à démarrer en fait. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je m'interroge. Est-ce qu'il y a moyen de... je sais pas moi... Terraform, wait... Non, faire un slip ou un truc dans le genre, ce serait moche. Ce serait moche, quand même. Ce serait moche, mais... Generic way for resource to reach a particular state. Donc là, en gros, il y aurait un weight, ce qui est intéressant, hein, avec un field value. Ouais, mais alors faudrait trouver la bonne valeur, enfin la bonne comment dire, la bonne variable et la bonne valeur en fait. Wait for complete égale true. Ah mais ça c'est pour Kubernetes. C'est le provider Kubernetes. Donc c'est uniquement dans le provider Kubernetes. Time sleep. Ah, this resource will...
Ah, donc on peut. Alors. Donc cette ressource, elle est créée. Celle-ci, le wait 30 secondes, elle dépend de ça. Ah donc en fait on crée une ressource de en fait faire un sleep en Terraform, c'est on crée une ressource time sleep, on lui donne un nom, on met create duration 30 seconds. Non. Ah mais à la limite je peux mettre un create duration peut-être directement sur le Prevent cross-platform compatibility destroy time issues using the local. Ah, ok. Delay create usage. Alors, remarque, si je mets un create duration directement dans le. Que je vais pas rajouter encore une ressource, ce serait ballot. Si je mets ça et que je mets 60 secondes, je pense que ce sera pas suffisant, mais hop, et que je fais un petit Terraform validate. Est-ce que c'est ça ou est-ce que. Ouais, non. Faut que je crée vraiment une ressource en fait de sleep. Ok, ça va, j'ai compris. Hop, allez. On va créer une nouvelle ressource. Tiens, on va l'appeler comme ça. Hop. Copier. Pouf. On va pas mettre de. Ah, bah si, si, si. On va la faire dépendre du routeur. En fait. En fait, c'est ça qu'on va aller mettre. Ici. Et à la limite, je vais mettre 60 secondes en fait. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a ça qui va démarrer. Il y a ça ensuite qui va démarrer et qui va attendre 60 secondes. Et ensuite, je vais faire dépendre ma machine Fedora, ma VM Fedora, de ce truc-là. Et donc, bah, lui, il va mettre 60 secondes à dormir. D'ailleurs, ce que je vais peut-être faire, c'est faire hop, effacer. Hop, on va descendre ici. Oh. Voilà. Hop. Voilà. Ici. Je descends là. Et je viens ici. Hop. Et ensuite, je rajoute ici le depends. Et je lui dis libvir domain. Bah non, je lui dis pas libvir domain. Je lui dis time sleep. Alors le wait 60 seconds, moi ça m'en. Je vais l'appeler. Hop là. Je vais l'appeler sleep. Sleep underscore 60 seconds. Voilà. Donc time sleep. Point. Point sleep. Voilà. Donc là normalement si je fais un petit Terraform validate. Non plus, toujours pas. Configuration. Ah oui, c'est un provider. Donc, il faut que je fasse un Terraform init un moins. Alors, je vais faire un moins upgrade par acquis de conscience. Voilà. Et si cette fois-ci je fais un validate, il me dit que la conf est valide. Ok. Ok. Bon. Et bah, c'est reparti pour un tour dans ce cas-là. On destroy. Voilà. Bim. L'avantage de la destruction, au moins, c'est qu'elle est instantanée. Hein. Hop! Et c'est parti. Donc là, normalement. Donc j'ai mon routeur, mais si je vais en 5. J'ai dit en 5. Normalement, voilà, le VPS n'existe toujours pas. Si je vais sur mon virtuel. Vous voyez, pour l'instant, là, j'ai qu'une VM. J'ai pas l'autre. Et alors, j'ai pas commencé à compter le temps.
Mais normalement, au bout d'un moment... Alors lui, il en est où? On va voir combien de temps il met. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, ici, voilà. Et donc, si ça se trouve... Si ça se trouve, il y a peut-être moyen de lui dire... De lui dire que... Mais là, par contre, je pense que la minute, elle va pas tarder à être finie. Je sais pas si vous avez vu là, mais du coup, là, la deuxième machine vient de popper. Voilà. La minute est passée. Alors, hop. Donc, une minute, ça a pas l'air d'être suffisant, en fait. Par contre, ce qui manque, c'est pourquoi là, il a un Raise Network Interfaces. Je sais pas pourquoi. Oh punaise, j'ai l'impression qu'en fait c'est à partir du moment où il y a l'autre qui pop. Hey, il est déjà... HFRR. Ok. Parce que là si je me log... Alors, Cloud Init, module final. Ah, oui, il n'a pas l'air d'avoir fini. J'ai même l'impression qu'il est en train d'installer des choses. Alors, lui, il a fini. Success. Et lui, là, il serait peut-être en train d'installer des choses. Donc, si ça se trouve, ouais, 60 secondes. Si ça se trouve, 60 secondes, ça suffit. Mais si ça se trouve, enfin, je pense qu'en fait, là, il y a un truc avec le... Est-ce qu'on l'a quelque part? Est-ce qu'on le voit quelque part? Non, Cloud Init. Le Raise Network Interfaces. Voilà, et là, il est en train d'installer... Je pense que le 60 secondes, j'ai... Je l'ai... On va dire que je l'ai eu un peu avec par chance. Clavier.target, ok. Donc a priori, il m'a installé tout ce qu'il faut. Je pense qu'il a installé tout ce que je voulais. Ouais, il m'a mis ifstop, il m'a mis LSOF, puis là, il est en train de terminer. Ok. Alors, je vais retourner voir dans ma partie, pas user data, mais ma partie cloud init. Et ce que je me dis, c'est que en fait, je devrais peut-être ne pas la mettre en DHCP, mais la mettre en fixe pour gagner du temps. Parce que je pense qu'en fait, c'est ça. C'est le temps qu'il... je pense que je perds du temps à ce niveau-là. Donc, ce que je peux peut-être faire, c'est faire un... Hop. Faire ça. Ensuite. Un set interfaces Ethernet. Donc, ETH1, attention. Et je vais lui mettre en... Alors, du coup, je suis sur un... 192.168.122. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner ben, la 122.11. Non, 101. Hop là. 101. Et puis, il va falloir lui donner une route, en fait, parce que du coup, la route par défaut, elle n'y est pas. Si je regarde le quick start côté DHCP, DNS, ouais, mais en fait c'est interface configuration de mémoire. Ah non, c'est la route par défaut, je crois. La route par défaut. Hop. J'ai un trou.
trou de mémoire, donc je vais regarder à nouveau. Voilà, default gateway. Voilà, set protocols. Bon bah voilà, c'est ça. Hop, copier. Et on va la rajouter. Ici. Hop, default gateway. Hop. Next, hop. Et on va mettre tout de suite un simple quote. Voilà. Une fois qu'on a lui. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié le tiret. Hop, voilà. Une fois qu'on a ça. Une fois qu'on a ça. Il va falloir que je mette. Le DNS. Parce que autant en bas, là, il est indiqué DNS forwarder. Mais en fait, il prend le DNS depuis. Il prend le DNS depuis le DHCP. Donc, système DNS. Voilà, set system name server. Hop. Est-ce que je ne l'ai pas noté quelque part? J'ai le NTP. Mais là, ça va être, voilà, système configuration. Salut à toi, Kenny. Bienvenue. Alors. Hop, on va le mettre ici. Et de toute façon, le name server, ce sera lui. Hop. Voilà. Donc là, je pense que ça risque de booter un petit peu plus vite. Lui, il en est où? Il a fini. Donc si je fais un ping 1.1, ok. RPM-QA pipe grep fail. J'ai mes fail to ban. Sudo fail to ban client. Status. Ah tiens, il a pas démarré. Ouais, inactive, dead. Ah. Pourtant, je lui avais dit de se démarrer, non? Alors, je lui avais dit de se démarrer. Ah non, je l'avais activé. Je l'avais activé, mais je lui avais pas dit de se démarrer. Bon, ce qu'on va faire, c'est moins now ici. Voilà. Mais si je le démarre. Je suis un petit photoban. Voilà. Et j'ai bien mon SSHD, ma récidive. Ok, cool. Donc, pour le moment. Ah tiens, je peux peut-être vérifier d'ailleurs que j'ai mon adresse IP. Ok, mon IP est bonne. Et donc, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est faire un petit sudo lsof. Ok, ça c'est bon. Sudo iftop et j'ai mon petit iftop. Nickel, ça c'est classe. Et bon, on va tout casser et on va tout refaire. Allez, c'est reparti pour un tour. Je destroy. Voilà. Alors je. J'avoue, il y a des moments, mais ça dépend. Il y a des moments où on peut, on peut éprouver un certain plaisir à détruire comme ça plein de choses en se disant « Oh, je peux détruire plein de trucs, mais bon, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. » Et d'un autre côté, se dire « Oh là là, je viens de créer des VM et je les détruis. » C'est un peu dommage, quoi. C'est limite, on était sur le point de les configurer avec amour. Et on vient à peine de finir de s'amuser avec qu'on les détruit. Mais bon. Comme on dit, hein. Mince, c'était quoi? Bon, j'avais trouvé un truc avec mes étudiants. Une version vegan friendly du truc. Faut traiter, c'est. C'était avec Studio Cyanotype aussi, je crois. Je crois que c'était Studio Cyanotype qui avait trouvé ça de traiter ses serveurs comme des légumes ou comme du gazon. Comme des légumes et pas comme des roses. Donc le apply est complete. ISP router 1. Et lui il en est où?
Il vient de se popper, on dirait. Fatal error. Failed. Ah. Tu vas tondre tes... tu vas aller tondre tes DHCP et DNS locaux, ouais. Non, configuration success, tiens. Alors pourquoi il a failed? Pas de soucis, Manon. À toutes. Alors, Vi OS. Show. Ah, ça j'aime pas là. Déjà, il m'a. Show configuration. Alors, est-ce que j'aurais mis des trucs qu'il faut pas? Pourtant, j'ai mis des codes tout partout. Ah, Ribo qui fait la voix de Nounours en mode bonne nuit les petits et à bientôt. Pom 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 pom. Où en étais-je moi? Ouais, c'est ça. Et il m'a... En fait, il m'a... Ah, punaise. Il m'a... Alors... Ah, ça, c'est ennuyeux. Parce que du coup, en fait, il m'a collé, il a collé le TH0 en DHCP. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une bêtise? La ETH0, c'est inside. La ETH1, c'est outside. Donc, je l'ai bien collé l'adresse IP qu'il faut en effaçant le truc. Et ensuite, je lui ai dit, vas-y, mets une route statique. Et c'est la route par défaut. En fait, il m'a rien mis du tout. Il m'a même pas configuré d'adresse IP, en fait. Pourtant, j'ai... Nounours en bonbon. je comprends pas. Parce que ouais, du coup, ouais, il a rien configuré d'autre. Il s'est planté grosso modo là. Et donc tout le reste, allez hop, au revoir. On s'en fiche, on fait rien. Bah justement, c'est une excellente question, Manon. Revoir l'erreur, ça va être... En gros, l'erreur, elle est là. Il me balance un fatal error non-existent path. Fail to apply. System CTL status cloud config for details. Bon bah, on va les regarder. Hein. Main process exited, oui. Invalide argument. Comment ça, invalide argument? Non, hop, c'est pas comme ça. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai un cloud limit output. Allez hop. Hop là, alors. Fatal error. Vios 1x.vitree non-existent path. No fermé, bah oui, non. Et si je vais juste regarder le cloudinit.log. Ouais, il me rebalance la fatal error.
No kernel command line. Ouais, bon, ça, ok. Ah, c'est une excellente question, Manon. On va aller regarder ça tout de suite. Hop, ici. Alors, est-ce que en gros, je mets le name server, il l'a mis ou pas? Non, le name server, il l'a même pas appliqué. Il a juste mis name server ETH0. Vas-y. Donc ça, il l'a même pas appliqué. Donc je suspecte que de toute façon, on va le coller là. Hop. DNS. Ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ça. Je vais commenter ça. Je vais mettre ça. Lui, pour le moment... Non, je vais... Hop. Je vais le laisser en DHCP. Par contre, si je le laisse en DHCP, bah la route... Ouais, on va quand même lui laisser la route. On va voir si c'est... Allez, on va repartir comme ça. Et on applique. Alors bon, je me doute, je pourrais me dire, bah je m'en fiche, je vais laisser le truc en DHCP. Pour le moment, je le laisse en DHCP, mais je voudrais vraiment réussir à le mettre en IP fixe pour une raison très simple. Hein. C'est que si je regarde mon schéma, c'est que à la fin, les autres IP vont être fixes, et surtout les routeurs, eux, là, ils vont être en full IP fixe, les quatre autres. Donc si je peux pas avoir des routeurs en full IP fixe, ça va devenir un peu embêtant. Alors, l'apply, il est fait. Hop. Et lui, il en est où? Ouais, il est en job running for Rise Network Interface, ok. Donc là, lui, il est en train de... Il est déjà en train de démarrer, il est déjà en train de faire des trucs. Alors que l'autre, là, il est encore en mode, voilà, Rise Network Interfaces. Voilà. Non, là, c'est juste que je l'ai enlevé pour m'assurer que... Mais voilà, ah, ouais, donc ça c'est bon, il a appliqué. Et lui, il n'a pas encore lancé, à mon avis, la fin de son cloud init. Lui, par contre, il l'a fini. Voilà. Ah, voilà, là, il commence à installer des choses. Donc, j'ai le même binou que tout à l'heure. Alors, VIOS. Show configuration. Ok, DHCP, ok. Est-ce qu'il m'a mis... Donc il m'a bien mis name server. Il m'a bien mis name server, mais est-ce que je lui avais mis en conf? Est-ce que je lui avais mis en conf? Ouais, je lui avais laissé la default gateway, il ne l'a pas mise. Je pense que le DHCP a dû prendre le pas sur un. Non, proto. Ah si, non, il a bien mis la. Donc ça c'est bon. Ça passe.
Donc là, au moins, je sais que c'est... comment dire? Ces deux commandes-là, elles passent, il n'y a pas de souci. C'est pas elles qui posent problème. Maintenant... Oui, voilà, c'est lié à l'IP fixe. Je pense que c'est lié au passage en IP fixe. Oh, punaise! Non, non, bah non. Puisque là, j'ai bien dit 10.1. 192.168.122.101 slash 24. Ça m'a l'air bon. Parce qu'on met bien le masque de sous-réseau. Et de la même façon que que quand je crée mon... Ah, faut faire le 7 d'abord et le delete après. On va le tenter comme ça. Allez. Hop. C'est reparti pour un tour. On destroy. Et on recrée. Ouais, croisons les doigts, exactement. Donc là, pour le moment, lui, il n'en a pas, il est pas là. Là, lui, il a démarré. Start job running. 30 secondes déjà. Il a l'air d'être encore en train de faire du DHCP, j'ai l'impression, hein. Oh bah, fallait le dire, Kenny, si tu comprenais pas, il n'y a pas de souci. Si tu veux, je te refais le topo, Kenny, il n'y a pas de souci. Ça fait 1 minute qu'il a démarré. L'autre là, il a dû commencer à démarrer. Manon. Alors, il a fini par démarrer. Ouais, il a fini par. Il en était où? Il m'a affiché des choses ou pas? Ah, y a pas de souci, Kenny. Alors, je t'explique. Hop, je vais ressortir le schéma. Voilà. Ça, c'est un schéma réseau de ce que j'aimerais avoir comme maquette. Ça, c'est une maquette que je veux faire avec des machines virtuelles. Et avec des réseaux virtuels. Et comme le dit Manon, eh ben en fait, créer toutes ces machines virtuelles et tous ces réseaux virtuels, je veux le faire de façon, on va dire, programmatique, en ayant des fichiers qui décrivent les configurations. Et donc, pour décrire ces configurations, j'utilise principalement Terraform. Pour dire je veux une VM ici, je veux une VM là, je veux un réseau entre les deux, je veux que mes VM elles aient tant de disques, je veux que mes VM elles soient comme ci, comme ça. Et ensuite, j'ai CloudInit qui permet d'appliquer une première configuration à la machine, notamment de lui dire bah, ton hostname ce sera ça, tu vas me créer un utilisateur NILS avec un mot de passe bidon. Et dans le cas du routeur ici, vu que c'est un routeur VIOS, avec une syntaxe particulière, eh bien, il y a un module pour CloudInit, pour VIOS,
et je peux lui dire, eh ben, tiens, voilà des commandes à manger. Et c'est là où ça devient un peu comique, parce que ce que je veux, c'est que mon routeur, il ait des IP fixes, et il a pas l'air d'être tout à fait d'accord. Show, configuration, pop, 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 pom, description, inside, ok, bon, il a fini par le faire. Alors la question, c'est est-ce que l'autre, là, il en est où? Si je mets Nielsen, voilà. Et si je fais un petit if top, ok, ah, oui, normal, ok. Un petit rpm-q... Ah bah tiens, du coup, si je fais un sudo file to ban client, status, ouais, nickel. Alors je suspecte que de toute façon c'est, bon, de toute façon il me faut cette histoire de, ah mais c'est parce que j'ai mis un set DHCP avant, j'ai laissé le set DHCP avant, c'est peut-être pour ça. Hop là. Ah tiens, Kenny, t'as des points de chaîne et t'as pu profiter de l'émoji mouton. Ah, je suis content. Ça me fait plaisir de voir les émojis moutons. Ok, donc j'avais laissé le truc DHCP et ensuite je... Ok. Et après, je faisais un delete du... Bon, c'était pas très fut-fut, ça. Allez, je destroy et je recommence. On va voir si ça va un peu plus vite. Terraform, apply et directement on auto-approuve. Alors que les choses soient très claires, hein. Là, moi je me permets de faire des auto-approuves et je ne fais pas de plan sur Terraform, mais la bonne pratique veut que on fasse du plan avant un apply, hein. En particulier quand on est sur des trucs de production. Là, c'est du labo, donc je m'en moque un peu. Surtout que visiblement ce soir, hein, la durée de vie d'une VM, c'est moins de 5 minutes. Hein. Bienvenue dans le cloud. Alors, allez, quand est-ce que tu vas t'arrêter pour dire hey, « Eh, j'attends le DHCP !» Voilà, allez, network, paf, et il a déjà fini. Ah non, il y en a d'autres. Allez, paf aussi, dépêche. Allez, dépêche-toi. Allez, petite VM, tu peux le faire. Allez. On va faire la holla pour l'aider. Ouais, je suis... j'en suis à ce point-là. Hein. ah bah oui, bien sûr qu'il a une conf DHCP qui traîne encore avant, parce que par défaut, les interfaces sont en DHCP. Et je lui ai dit, d'abord tu te colles une IP fixe et après tu enlèves le DHCP. Donc si ça se trouve... Donc là normalement l'autre entre temps il a commencé à démarrer je pense. Voilà. Ok. Voilà, configuration success. Plutôt faire un DHCP hack plutôt qu'une holla. Et là, ça c'est dommage, il m'avait rien affiché sur le. Je vais regarder sur le ça. Hop. Ah ouais, non, il a le. Ok. J'ai fait quoi comme modif pour le moment? J'ai modifié ça et j'ai modifié les user data. Ok.
Et donc là, bah oui, fatalement, vu que tout a. Bon, bah, je pense que je vais laisser une minute. Ça m'a l'air pas mal. Ah, à moins que je descende à 50 secondes. J'ai envie de dire, c'est toujours ça de pris, hein, 10 secondes, hein, quand même. Alors maintenant que je sais que de toute façon mon comment dire ma VM aura accès à Internet, ce qu'on va pouvoir faire. Alors là pour le moment j'ai pas de modif à faire. Lui par contre, ce que je voudrais faire, c'est regarder dans la doc de Cloud Init. Ou pas. J'avais utilisé Unbound ou DNS Mask lors du précédent lab. Remarquez la VM, le truc est allumé. Marvin est là. Donc là, je peux faire un petit run lab moins s. Run lab commande notre farm. Ah tiens, j'ai loupé. Hop, alors on va vite démarrer le lab, mais à mon avis il va pas rester allumé longtemps. Voilà, DNS0, ISP1. Hop. Alors Marvin, t'es là. Donc Marvin, c'est le nom de ma machine physique. Qui sert de labo, qui servira de labo à terme. Alors, donc ça, c'est la machine qui fait le DNS sur l'ancien lab, qui est en train de démarrer, et a priori, c'est DNS Mask. On avait installé DNS Mask. Ouais, et on avait fait dans le ETC host. Voilà, dans le ETC host, je m'étais un peu amusé. Et il y avait tout ça. Ok. Alors, je sais pas si vous entendez des bips. Ça fait genre pimpon derrière. Ça, c'est le serveur qui a chaud. Donc, je vais l'éteindre. Parce que moi, déjà, ça commence à m'ennuyer. Et vous, je pense que ça va pas tarder à vous ennuyer aussi. Hop, allez. T'es où, Marvin? T'es là. Hop, allez, power off. Oh là, il a du mal. Hop. J'ai compris que t'as chaud, petit serveur. T'inquiète, tu. Ah là là. Oh punaise. Pimpon, ouais, non mais c'est du fire as a service, magnifique. Bravo Marion, Manon, pardon. Magnifique. Bravo. Ok, voilà, là c'est fini. Fais dodo, Marvin. Donc DNS Mask. DNS Mask. Il faudra qu'à un moment ou à un autre, j'aille récupérer la conf exacte du. Que là j'ai le nom j'ai l'utilisateur, là j'ai des petits fichiers histoire que ce soit plus sympa. Ce que je peux faire, effectivement, c'est installer DNS Mask. Alors par contre, alors je suis en train de me poser une question. À quel moment je vais arrêter de faire du Cloud Init et à quel moment je vais faire de l'Ansible? Alors, Manon qui a plus d'imagination pour faire des blagues que pour un mail sérieux à son futur chef.
Ah. Ça, c'est ennuyeux. Oui, bonne question pour Cloud Init Ansible, on est d'accord. Hein. Alors moi, ce que je me disais, c'est est-ce qu'à un moment, dans mon schéma, hop là, voilà, est-ce que je devrais pas instancier une autre machine à un autre endroit, je ne sais pas encore lequel, sur laquelle, en fait, je mettrais j'installerai justement Ansible et potentiellement je récupérerai le comment dire, je récupérerai le contenu du repo, puisque de toute façon le repo va contenir une partie Ansible et donc via Cloud Init, ouais, c'est ça, le master Ansible sur un VPS monté et je récupère depuis GitHub. Exactement, Manon. Les grands esprits se rencontrent, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'au niveau DNS, ce soit correct. Et le truc, c'est comment... Alors, Haribo qui propose de faire un courrier avec des WAN à deux balles. Magnifique! Magnifique, Haribo. Alors, il y a un sacré concours ce soir. Le petit concours de jeux de mots. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va finir par... comment dire, je vais vous proposer qu'on crée une page sur un site et qu'on mette dedans les plus beaux jeux de mots de chaque stream. Parce que là, à chaque fois, on a des perles. Non, franchement, on a des perles. Entre Manon et Haribo, franchement, vous maîtrisez le verbe, si je puis me permettre. Alors, Manon, par contre, attention de ne pas prendre tes blagues trop à la lettre. Non. Non, non, elle était nulle, vous la validez pas. Ah, si, si, bon. Ah, bon. Ouf. Ouf. Et donc, ce que j'étais en train de me dire, c'est que peut-être que dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est avoir... Tiens, on va prendre lui, là. On va le mettre, admettons... Oui, c'est vrai qu'il y a un léger décalage, oui. Faudrait en faire un pactage d'extension à fortune. Oui. Oui, Haribo, ce serait magnifique. On pourrait même apprendre justement à créer des paquets DEB ou RPM pour rajouter les fortunes. Et même des paquets package source. Et on pourrait même s'associer fortune-nix. j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup. On pourrait envisager du coup de le... Bah, on pourrait le mettre dans ce réseau-là, en fait. Ici, on pourrait faire un truc du genre, effectivement, je pourrais l'appeler, bah justement, bah ça pourrait être ISP1 VPS1, en fait. Je la mets là, et ce serait le master Ansible, en fait. Mais par contre, il faudrait quand même que le DNS soit fonctionnel. Ah, à moins qu'il se base sur le forward, ouais, vu que là, j'ai le forward DNS... Pour aller sur internet, c'est suffisant. Que dit... Alors, Manon qui nous dit... Que dit une mère à son fils geek quand le dîner est servi? Alt tab. Magnifique. Magnifique. Manon, c'est ce que tu dis à tes enfants? T'es pas obligé de répondre, hein. Y a pas de souci, je comprendrai. Mais ouais, je pense que ouais, ça va être ça, en fait. Le ISP1 VPS1, ça va être le master Ansible. Donc, ça veut dire que ce que je peux faire, c'est que là, au lieu de le laisser en 10.1.1.53, on va le mettre en, on va le mettre en 101. Hop. Puisque la numéro 1 est prise par... ils sont pas geeks, ça marche pas. Ah mince, dommage.
On va le mettre comme ça. Et au niveau de... au niveau de la doc pour... Alors ça c'est quoi? Ça c'est pour iOS. Moi ce qui m'intéresse c'est Cloud Init. Hein, Cloud Init. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, module référence Cloud Init. Ok, donc ça c'est cool. On va revenir ici. Il doit peut-être y avoir voilà, module référence et je voudrais savoir si Git est dispo. Est-ce qu'on peut cloner un repo Git quelque part? Alors, update. Oh, classe! Update OTC host, update host name. Time zone, ok. Je sens que ça va se finir en run CMD, hein, git clone machin, hein, parce que. A priori, il n'y a pas de. Il n'y a pas de module Git en mode vas-y, clone un repo. Bon, et bah, dans ce cas-là, on va le rajouter. Hein, alors, ce qu'on va peut-être faire. Dans le run CMD, je me demande s'il y a moyen de lui dire vas-y, lance le truc en tant que tel utilisateur. Ça pourrait être pratique. Run CMD. Alors, run arbitrary command. Ok. Each item can be either list of a string. Si c'est une liste, properly quoted. Ok. Each item is written. Ok. To be done. Ok. D'accord. Alors, déjà, il va peut-être falloir installer Git. Alors ça tombe bien, hop. Est-ce que Git serait pas déjà présent d'ailleurs? Oula, pas trop de trucs. Non, pas de Git. Ce serait pas Git-base ou Git-core des fois. Non, Git-core. Ouais, voilà, Git-core. Ok, ça c'est cool. Donc, ce que je peux faire ici, c'est dans les packages, lui dire « Eh, au fait, installe-moi git-core. » Donc, ce qu'on peut faire, on va revenir ici, sudo dnf-y install git-core. Voilà. Et si je fais un git clone eh ben de mon repo la base code, hop, voilà, donc ça c'est bon. Et donc ce qu'on peut peut-être lui dire, alors est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire en tant qu'utilisateur Nils? Non hein. Toutes les commandes must be proper YAML. Ouais, ok. When writing files, not use HTMP. Ok. Oh, slash run, slash somedir. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est. Si je peux revenir ici. RMORF. La base code. Hop. Git. -help. Est-ce que j'aurais pas la page même de Git? Non. Je peux peut-être le regarder comme ça. Voilà. Oui, effectivement, Git, effectivement, c'est un synonyme de stupide, effectivement. Alors, man git clone. Clone et repository, ouais. Et dans quel on peut mettre directement dans le répertoire. Donc. Ce que je peux faire, hop, viens voir par là toi, si je lui dis git clone comme ça, je peux faire un mkdir -p git github et lui faire git clone dans slash là, non, slash home nils git github. Ah ouais, mais il m'a dit directement de, il m'a mis directement devant. Donc ce qu'il faudrait. Git, GitHub. Et là, on met. Comme ça, tiens. Hop. Et ensuite, eh ben, on fait un git clone. Voilà.
Attends, slash home, git, bah non, Nils, voilà. Ah! Ah, bah oui, parce que je lui ai dit HP Nils, hop, la base code, voilà. Ok, donc à la limite, ce que je peux faire, oups, oh, j'ai perdu mes fichiers, voilà. Est-ce que je peux faire des files et des répertoires directement au niveau de Cloud Init, hein, peut-être file, peut-être que dans file, ah oui c'est write file peut-être, write files, hop. Est-ce qu'on peut faire des directories ou créer tout de suite une arbo? Pass content owner permission append defer, alors. Ah! Defer writing the file until finals. Ah, j'aime pas trop ça, ce defer. Ah, je vais peut-être me faire dans un slash SRV. Ce sera peut-être plus sympa. Ouais. On va peut-être faire ça. Donc. Write files content. Ok, donc ça c'est des hop. Alors, est-ce qu'à un moment il met des répertoires, juste des répertoires? Non. Hein. Pas lui dire de faire un. Ah non, c'est vraiment des fichiers. On peut pas lui dire juste vas-y, crée un. Crée un répertoire. Alors dans ce cas-là, remarque, je peux faire un mkdir directement en commande. Ouais, je vais balancer directement en slash SRV, allez hop. Je vais peut-être faire un mkdir avant. Allez, on va faire ça. SRV git, je vais faire SRV git et on va mettre lab as code et ensuite git clone. Ça dans ça. Voilà. Donc là normalement ça devrait le faire. Une fois que ça c'est fait. Juste par précaution, peut-être je peux peut-être rajouter l'installation dans Ansible. Mais alors de mémoire. Hop. Ansible Collections. Mais en fait, faut. Voilà, il faut installer juste Ansible Core, tiens. On va faire ça alors. On va lui rajouter Ansible Core. Hop. Voilà. Et donc au final, ce fichier Cloud Init, on va le charger honnêtement. Il va être lourd. Il va y avoir plein de choses qu'on aurait pu mettre dans un justement dans une partie Ansible, mais comme ça au moins il sera. Il sera prêt. Enfin, il sera. Voilà, il fera office de master Ansible. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à recommencer. Hein. Hop. On détruit, on recommence. Hop, voilà. Ah. Oui, faire ça, c'est un peu que je m'impatiente. Hein. Hop. Et lui, ben oui, logiquement. Hop. Il a rien. Ah, voilà, là il est en train de commencer le slip. Là, lui, il a démarré. Pour l'instant, il n'y a rien.
Il démarre. Il va encore faire joujou avec ses interfaces DHCP. Voilà. Donc la première, normalement, elle va assez vite. Ah, la première est peut-être déjà passée, en fait. Donc ça, c'est la deuxième. Ouais, en fait, c'est vraiment une question de timeout, parce que le truc... Il n'y a pas de DHCP sur le réseau. Alors, je pourrais en mettre un dans l'absolu. Je pourrais en mettre un. Non, remarque. Ah, c'est peut-être ça en fait. Ça, si ça se trouve, c'est la deuxième interface en fait qui traîne. C'est l'interface interne. C'est l'interface interne qui traîne, et si ça se trouve, si je mettais un DHCP dans ce réseau virtuel, ce que je me suis refusé à faire, hein, parce que de mémoire, je crois que si jamais je mets ce genre de choses-là, l'hyperviseur va avoir de facto une IP dans le subnet, et je trouve pas ça logique. Bon, entre-temps, l'autre, là, il a dû commencer à démarrer. Voilà. Show configuration. Bon bah ça m'a l'air pas mal. Allez, termine ton petit démarrage. Voilà, Cloud Init. Il est en train d'installer tout son petit confort. Alors, idéalement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je rajoute quand même un petit... un endroit, je crois qu'il y a moyen de lancer une mise à jour. Et je pourrais en profiter pour la lancer, mais ça rendrait encore plus long les temps de premier démarrage, en fait. Bon, après, l'idée, c'est pas non plus de... Enfin, pour l'instant, on fait beaucoup de destruction, recréation, mais le but sera pas non plus de le créer, de le détruire toutes les 5 minutes, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Puis c'est pareil, tiens, faudra que je prévoie peut-être de générer en avance de phase. Alors, ce sera peut-être moche. Faudra que je vois comment faire ça de façon entre guillemets propre. Mais d'avoir une clé SSH dans le repo. Ou alors, non, je vais générer au premier boot, effectivement, ça, il y a peut-être moyen de générer des clés SSH. Et de dire ensuite, au fait, déploie... Ah ouais, non. Ouais, parce que si je veux que des clés soient déployées via Cloud Init, il va falloir que j'ai la clé avant. Donc il faudra que je génère. Mais ça pourrait être intéressant. Enfin, ça pourrait être intéressant, mais en gros, ça veut dire que je vais peut-être générer une paire de clés que je vais mettre dans le repo. Donc il y aura une clé privée et une clé publique dans le repo. Mais comme c'est pour du lab, et qu'a priori ce lab devra pas être... Enfin, ce sera un lab. Donc normalement, il sera pas connecté directement à Internet, tout du moins pas en entrée. Ça peut être intéressant. Mais il faudra que je m'assure qu'il n'y ait absolument aucun moyen d'accéder à un shell à distance. Depuis l'extérieur vers mon lab. Je sais que je pars dans des considérations un peu cryptiques là, mais mine de rien, c'est pas négligeable. Hein. Très bien, maintenant si je fais witch git. Ouais. Slash SRV git. La base code. Allez, hop.
Et voilà, j'ai tout mon repo. Nickel. Parfait. Génial. C'est génial. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça assez sympa. Bien, bien, bien. Voilà, donc on va avoir entre guillemets notre master Ansible qui sera positionné ici. Tiens, je vais laisser ça comme ça. On a les packages, on a le RunSMD. Pour le moment, ça m'a l'air pas mal. Parce que si je fais un petit, hop, un petit git status, hein, on a modifié pas mal de choses. Déjà, ça c'est passé en, en fixe. Donc ça, à la limite, déjà, je peux commencer à le, je peux commencer à le commit. Hein. Et je peux lui dire, parce que ça c'est du cloud init, que c'est switch external interface to static IP. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on a le user data dans notre cloud init de notre VPS qui là est quand même assez sacrément modifié, mais on va lui dire et ben basic configuration to be ouais c'est ça, allez hop, git commit, hein. Hop, for being future master, on va dire config master, basic settings. Et on va dire que to fetch future Ansible roles. Voilà. Non, Ansible, ouais, on va mettre roles. Ouais, collections. And roles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je refais un git diff. Bon, ça, c'est la partie draw.io. Ça, par contre, hein, hop, terraform is compute. On a. Ok, donc on a plusieurs changements là-dedans. On a le host pass-through, ok. Et on a le sleep. Alors. Pass-through. Pass-through and sleep. Alors. Pass-through, on va dire qu'il y avait libvirt option. Et on va dire que bah, le server now waits
60 seconds to start. And we'll. Alors, no, wait for the router. Alors, du coup, c'est pas the server, ce sera ISP. Hop. ISP VPS 1. No, wait. For ISP router, router 1 plus 60 seconds to start. Voilà. Et ensuite, la document. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, mais. Hop. Git diff et git. Donc vous voyez, ce qui est assez marrant, c'est que le fichier de conf, enfin le fichier de données draw.io, parce que là j'utilise draw.io comme, comme outil pour faire mon schéma, enfin draw.io diagrams.net, et ben là on peut voir que en gros c'est du XML dedans en fait. C'est un fichier XML. Donc git commit, hop. Et on va dire hop, et je push tout ça. Donc là maintenant c'est public. Faudra que je pense à faire le nettoyage quand même dans mes parce que là, il y a tous les fichiers temporaires qui sont montrés en untracked. Il va falloir que je modifie un peu mon gitignore. Est-ce qu'on pourrait pas envisager... Allez, on va se lancer dedans. Si je fais un petit étoile.swp, il ne serait pas quelque part. Exclude. Alors, hop. Je dis étoile point. Alors attends, ils sont comment? Ah, c'est point étoile point swp. Point étoile point swp. Swp. Git status. Donc il me dit que le point gitignore il est modifié, que ça c'est bon, ok. Et ensuite tout ce qui est tout ce qui est tilde. Hop là. Exclude. Vim backup files, hop, étoile tilde, hop, git status, ok, et a priori le fichier de lock, terraform. Ah oui, bah tiens, lui on va le mettre. C'est généralement j'appelle plan.out. Donc terraform slash plan.out. Et exclude. Remarque, je devrais mettre ignore au lieu de. Hop, ignore. Parce qu'après, exclude et include, étant donné qu'il parle des fois. D'inclure des trucs, donc ignore, hop, et on va lui dire d'ignorer terraform logfile, hop, et donc c'est ça, voilà. Et on va committer notre petit gitignore, hop là. %s/exclu. Oui, effectivement. Effectivement, j'ai pas toujours le réflexe. Quand il y en a 2-3, j'ai pas le réflexe. Quand j'en ai 5 ou 6, ouais, des fois. Allons-y, gitignore.
Hop, ignore vim files and terraform log file. Hop. Et voilà, j'ai un repo tout propre normalement. Yay! J'ai un repo tout propre. Je suis content. Bien, 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 bien. Et bah c'est pas mal tout ça, dites donc. Ah, oh, je suis vachement content, ça a bien avancé ce soir. Enfin bon, juste ce... Enfin, ça aurait pu mieux avancer, je pense, avec mes histoires de slip là et de DHCP. Mais de ce que je vois, j'en suis assez content. Ça prend forme. Il y a un peu de trucs qu'on découvre et qu'on résout au fur et à mesure. Mais bon, pour le moment, on n'est pas encore en train de refaire du BGP, mais dans l'immédiat. Dans l'immédiat, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que... merci pour le follow, The Lone Ranger. Merci à toi. Mais si je regarde à nouveau le schéma... Hop. Globalement, on va pouvoir commencer à créer le DNS la prochaine fois. Voire même juste popper en fait la VM avec une conf de base Cloud Init qui sera à mon avis proche de celle du VPS 1. Et puis je pense qu'on pourra commencer à dupliquer ça dans l'optique de créer ISP2. Et quand on aura créé ISP2, on va pouvoir commencer à mettre du BGP pour que les deux DNS puissent se joindre. Donc là, je pense que ça va commencer à devenir assez chouette. Et une fois qu'on aura déjà ça qui fonctionne, on pourra ensuite passer sur du Ansible et mettre en place la configuration DNS pour les deux machines virtuelles DNS. Et je pense qu'à partir du moment où on aura grosso modo là, cette partie-là qui sera prête, ça fera un joli morceau de fait. Ça fera un joli morceau de fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte d'être à jeudi prochain. En tout cas, sur ce sujet-là. Bien, 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 bien. Eh ben, ce fut une soirée assez chouette. On n'a pas été trop bloqué par n'importe quoi. Juste ce qu'il faut pour que ce soit stimulant. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour ce soir, puisqu'il est presque 22h. Si jamais vous voulez me retrouver, sachez que, bon, normalement, je stream donc habituellement les jeudis de 20h à 22h, les dimanches de 18h à 20h. Il m'arrive de temps en temps de faire quelques streams hors série, donc j'en ai fait un mardi soir. J'hésite à en refaire un cette semaine, donc je vais pas non plus vous dire je vais en refaire un, mais j'hésite encore. Faut que je vois si je peux me débloquer du temps sur ça. Généralement les streams hors série, j'essaye de les faire sur des sujets en one shot, alors que les streams du jeudi et les streams du dimanche ont chacun leur propre sujet sur des sagas ou plutôt des projets, des séries comme ça. Donc en ce moment, le jeudi, je fais mon lab Ascode. Et les dimanches, je viens de terminer une série qui était faite pour les débutants d'apprentissage d'administration système sous Linux avec des TP pour la création et l'administration d'un serveur web sous Linux. Donc c'était une série de, je crois, 13 streams. C'était assez chouette, c'était assez intense. Et si jamais vous avez loupé tout ça, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que d'abord, il y a les replays Twitch pendant 2 semaines.
Et après, au bout de quelques temps, quand au niveau montage on arrive à s'y mettre, il y a les replays qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous voulez revoir certains passages de mes streams anciens. À part ça, on peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Mastodon. Tous les liens sont en dessous. Et aussi sur le serveur Discord de la chaîne, dont l'adresse est aussi en dessous. Voili voilou, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Exactement, Manon, bonne soirée. De vous dire bah, à bientôt, très certainement dimanche, peut-être avant. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye! Thank you.